ça fait toujours plaisir d'avoir une récompense par rapport à ce qu'on a fait et aux efforts qu'on a investis durant notre master. Obtenir le master, c'est déjà une belle réussite, donc c'est la cerise sur le gâteau. C'est gratifiant, un signe de reconnaissance de mon travail. Ça amène un sentiment de fierté et de reconnaissance pour tout le travail accompli. C'est un master qui m'a tellement plu que pour moi, c'était naturel de m'y investir autant. Que ce soit récompensé, c'était très honorant. Ici à Géopolis, très accueillant, très lumineux. Anthropole, parce que j'ai aussi fait mes études de philo là-bas. Le Synathlon, dans lequel j'ai passé forcément une grande partie de mon temps ici lorsque j'étais étudiant. Peut-être la cafétéria pour ces moments où autant on bossait en groupe, autant on débriefait, on partageait nos expériences. Comme j'étais beaucoup à distance, j'aurais justement voulu plus être ici sur le campus. Un endroit marquant, c'était quand même la cafette, parce qu'on y passe beaucoup de notre temps. La suite pour moi, c'est que j'ai commencé il y a 2 semaines d'enseigner dans une école de culture générale dans le Jura. J'enseigne la psychologie. Je suis en stage à la CORODIS, à la commission romande de diffusion des spectacles, et je travaille dans le milieu de la culture. J'ai commencé ma thèse de doctorat ici à l'ISUL, donc en septembre 2020. Je suis actuellement assistant diplômé ici pour une durée de 5 ans. Je travaille pour la fondation JobTrek, je suis là-bas conseillère en orientation et formatrice. C'est l'endroit où j'ai fait mon stage et ensuite, une fois que mon stage s'est terminé, ils m'ont proposé de rester là-bas. J'ai ouvert mon propre centre de santé, Activita Centre en Valais, et c'est un super beau challenge.